Alors, ce midi, bébé Ellie, elle mange des champignons et du cordon bleu. Ça a l'air de lui plaire. Je vais pas filmer longtemps pendant qu'elle mange. Je vais la laisser tranquille parce que sinon, vous savez qu'elle a un peu de mal à se concentrer, cette enfant. Donc, je vais la laisser tranquillou pour qu'elle mange pépère. Elle mange quand même de mieux en mieux. Donc, voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Regardez-moi ce petit monstre. Je me suis assise par terre. Elle est venue se mettre, se faufiler. Tu fais coucou? On va bientôt aller à la sieste. Bébé, elle a bien mangé. Là, il est 2h10. Donc, dans 10 minutes, on va aller à la sieste. Elle a passé une nuit assez correcte. C'est pas encore tout à fait ça, mais c'est assez correct parce qu'elle a eu du mal. Coucou! 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 Dis coucou à la caméra, chérie. Dis coucou. Oh là là, mais maman, tu l'écrases, maman. Alors, je lui ai mis un t-shirt propre, hein, et puis voilà. Elle a décidé de s'essuyer dessus. Regardez pas ma tête, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Mais on voit pas, il y a trop de lumière. Alors voilà, maintenant je sais pas quelle heure il est d'ailleurs, je vais regarder tout de suite. Il est 5h30, et oui, il est tard. Hein, et on va faire les courses, et comme ça Ellie elle prend un petit peu l'air. On va voir si on a la motive, on passera au parc, mais s'il y a du vent c'est mort. Parce qu'elle est hyper ronchon. Elle est vraiment, vraiment pas en grande forme avec les dents. Donc du coup papa il va faire les courses à la pharmacie, et il va nous trouver le combo à nouveau, parce que j'en ai plus beaucoup. Donc voilà, on va faire les courses et on se retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Tu fais coucou? Tiens, chérie, fais coucou. Là? Coucou! Coucou! Mon amour. Donc là, il est 6h30, on est rentré du parc et Eliora elle a faim, elle n'arrête pas de réclamer des gâteaux. Du coup, je vais prendre des pommes, des courgettes et mon petit kiwi qui me reste. Et avec la centrifugeuse qui est sur mon canoë là, je vais préparer un petit jus de fruits frais qu'on va se partager toutes les trois, tout simplement. Fruits et légumes, très bon pour la santé. Et comme ça, ça permet de ne pas lui donner de gâteaux et ça va la faire patienter jusqu'au dîner. Fais coucou. Tu veux pas dire coucou? Regardez comment on s'est mis bien avec Salomé. Grave. On s'est préparé nos petits plateaux avec tout plein de trucs à manger. Nous on adore le dîner du vendredi. Fais coucou. Et là-bas, au loin, comme vous le voyez, il y a le four qui est allumé. Et dedans, j'ai fait un poulet aux olives avec des oignons et des haricots verts que je vais rajouter dans le four pour qu'ils prennent bien le goût. Ça va être trop bon. Ouais. Voilà. Eliora, je l'ai couché. Je sais pas quelle heure il est. Je vais regarder. Il est 20h49 et Eliora, je l'ai couché. Il devait être 20h30. Ouais. Hein, même pas. Ou même plus, je veux dire. Et elle a pleuré 5 minutes et là... C'est ce qu'on a chanté. C'est ça, c'est parce qu'on a chanté. Bah heureusement elle a plus rien dit et là elle doit dormir parce qu'elle est épuisée, elle a fait à peine une heure de sieste. Donc c'est vrai que le vlog doit pas être méga intéressant, mais je pense que vous voyez ma tête, mes cheveux, tout. Vous avez compris que j'ai pas pu prendre ma douche aujourd'hui, donc j'ai encore pas lavé mes cheveux. Ouais, tu rigoles, c'est ça, voilà. les mamans elles ont pas toujours le temps, parce que du coup c'est vrai que cet après-midi quand elle s'est réveillée de la sieste,
On a continué à travailler avec Salomé. Après, on est parti faire les courses pour acheter de quoi manger ce soir. On a été au parc. Elle s'est bien amusée. On est rentré. Vraiment, on s'est pas arrêté, quoi. On a fait le ménage. Salomé, elle m'a aidée à réorganiser les boîtes, machin, parce que j'ai un bordel monstre dans mon salon. De toute façon, vous le savez, j'ai pas de place chez moi. Les placards, ils sont blindés. J'ai qu'une envie, c'est déménager. Voilà. J'ai qu'une envie, c'est déménager. Pour l'instant, c'est malheureusement pas possible. Donc, on verra quand ce sera possible. Et donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à demain.